Les attaquants de l'image. Une image, juste ce qu'il faut pour immortaliser un événement en photo ou en vidéo. Il y a quelques décennies, le photographe ou le vidéaste était une perle rare au Cameroun. Avec l'avènement du numérique, du multimédia, on est passé du boîtier argentique en photographie au boîtier numérique. Si la photographie professionnelle demandait autrefois connaître la gestion précise de l'ombre et la lumière, le choix des pellicules, les techniques de cadrage des photos et vidéos d'ensemble, plan pied, plan américain, plan buste, en vidéo, portrait 4x4 en photo, elle est aujourd'hui pratique avec le numérique. Ce n'est plus la taille du boîtier qui compte, c'est bien au contraire la définition. Avec un appareil photo d'au moins 8 mégapixels et un flash intégré, on peut faire une photo semi-professionnelle à l'ombre entre 0 et 5 mètres au moins et l'exploiter en infographie et dans les agrandissements. Une ouverture du métier à tout amateur de la chose qui se bouscule avec des professionnels. Deux appareils photo dans la tendance bling-bling, soit un pour soi et l'autre pour un sien. C'est tant mieux pour la mode. Au-delà du plaisir personnel d'immortaliser les beaux jours qui sont rares, les attaquants de l'image, comme on les appelle au Cameroun, parce que amateurs ou sortis des canaux professionnels, pour améliorer leurs conditions de vie, gagnent dans l'informel au moins 10 euros par jour, l'équivalent de 6500 francs CFA. Rapides comme les flashs, ils ont le flair, le pragmatisme pour attirer l'attention du sujet, de l'éventuel client. Bon à savoir, un inconnu qui regarde un attaquant photographe sans une moue quelconque est sûr de payer à la sortie de la cérémonie les services du photographe. Ce métier noble qui connaît une révolution remarquable demande à être organisé, recyclé pour une production audiovisuelle de qualité. Si la photographie est libre au Cameroun, beaucoup d'entre eux sont loin de connaître les limites de ces libertés.